At Indian Motorcycle, we believe the choices you make define you. I see myself as a leader, not a follower. Making the default choice is never an option. It's easy to join the crowd, but it takes confidence to go your own way. Motorcycles are meant to escape conformity, not embrace it. Since 1901, Indian Motorcycle has been the choice of riders who make their own rules. Choose wisely. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sans Concession. On est à Montpellier, on est chez Indian Motorcycle Montpellier où Laurent et toute son équipe nous attendent pour vous proposer ce nouveau numéro de Sans Concession. On va parler évidemment d'américaine, on aura laissé cette Indian Chief et également cette FTR 1200. On aura bien sûr des invités dans cette émission, Pierre Audouin, le manager d'Indian Motorcycle France. On aura des aventuriers, on en reparlera un petit peu plus tard. On aura également nos rubriques habituelles, le top et flop. On aura également notre clin d'œil à notre partenaire casque Shoei qui vous expliquera comment bien entretenir votre casque. Sans Concession, Indian Montpellier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est à l'intérieur et c'est parti. Voilà, nous sommes donc chez Indian Motorcycle Montpellier. Je suis en compagnie de Laurent, le responsable de la concession. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Et Pierre Audouin qui nous a rejoint également, le manager d'Indian Motorcycle France. Bonjour Eric. Bonjour Pierre. Merci en tout cas de nous accueillir, Laurent, à Montpellier, sous le soleil. Ça nous change pour nous qui venons du Grand Nord. Plaisir, bienvenue au Sud. Bien évidemment. Alors Laurent, la question évidemment usuelle. Ça fait combien de temps que tu es là et ça fait combien de temps que tu fais Indian? Est-ce que tu as toujours été, je dirais, attiré par cette marque? Écoute, oui, tout à fait. Alors, présent depuis 2015, donc ça va bientôt faire 6 ans. Au démarrage d'Indian, retour aux affaires. Donc oui, bien sûr, c'est une belle histoire que j'ai eu envie d'écrire avec la marque et avec Pierre. Et c'est toujours un réel plaisir. Pierre, aujourd'hui, le réseau Indian, c'est combien de concessions? C'est 35 concessionnaires. 35 concessionnaires en France, juste à savoir que la France reste le premier marché en termes de volume derrière les États-Unis. D'accord. Alors justement, cette gamme aujourd'hui, Indian, elle te permet, Laurent, de travailler correctement? Est-ce que tu as des demandes? Comment ça se passe vis-à-vis du contact client? Et on va dire, on est quand même malheureusement un petit peu obligé d'en parler, de votre concurrent direct qui travaille aussi outre-Atlantique. Non, on a une gamme aujourd'hui qui se complète, qui n'est pas, évidemment, rien n'est terminé. Je pense que ça va évoluer dans le temps et on est totalement confiance dans la marque pour que ça se fasse. Aujourd'hui, on commence à avoir vraiment une plateforme qui permet de répondre à une grosse majorité des besoins. Bien entendu, en tant que concessionnaire, je serais ravi si la gamme double demain matin, mais il y a des réalités aussi auxquelles il faut faire face. Donc pour le moment, on a de quoi concurrencer effectivement nos concurrents. Pierre, la concurrence et le concurrent, c'est effectivement l'objectif, j'imagine, d'Indian, même si on a vu que votre concurrent direct, pour ne parler que de lui, prenait aussi des chemins de traverse sans mauvais jeu de mots. Complètement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut considérer que le marché qui s'est principalement développé en France, on va dire, c'est un petit peu, oui, le marché des marques de caractère. Donc, à partir de là, on n'a pas qu'un seul concurrent. Je veux dire, aujourd'hui, le profil de client qui nous intéresse va papillonner entre BMW, Triumph, Ducati, etc. Donc, oui, l'important, c'est que ce client ait une super expérience avec nous, qu'il reste fidèle à la marque, qui la prescrive aussi, c'est vachement important. Mais ouais, après, on peut pas dire aujourd'hui qu'on a qu'un seul concurrent. Je pense que, au contraire, maintenant, on a vraiment de plus en plus de concurrents. Peut-être qu'effectivement, chez les marques japonaises, on est un petit peu moins confronté, même si les marques japonaises restent un super bon réservoir pour nos clients futurs, évident. Ce que tu disais, je rebondis juste sur ça après pour aller dans la suite de l'émission. Tu disais une marque de caractère. Aujourd'hui, clairement, compte tenu du contexte actuel, être une marque de caractère, c'est une vraie plus-value? Ah, je vous pose la question à tous les deux. Non, complètement. C'est la clientèle recherche
aujourd'hui des motos qui vont se démarquer, qui vont avoir une véritable présence. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Pierre, il suffirait de regarder le parc de VO qu'on a. Ce sont des reprises pour vendre nos Indianes. Et on se rendra compte qu'effectivement, toutes les marques sont quasiment représentées. Donc le côté caractère est évidemment aujourd'hui indispensable pour le client qui recherche avant tout une passion, une envie. L'histoire. Oui, l'histoire. Du caractère, mais pas non plus trop décalé, j'imagine, au niveau marketing. Il faut avoir une image, un nom. Mais il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes, c'est ça en fait? Aller dans les extrêmes, non. Après, surprendre, oui. Par exemple, comme on a sorti des produits comme la FTR, on va dire qu'on était un peu la première marque américaine à sortir une moto qui était vraiment typée Europe. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est intéressant, avec aussi malgré tout énormément d'ADN américaine sur les courses de flat track, etc. Donc, et puis, à nous d'attirer un maximum de clients vers notre marque, vers un style différent de faire de la moto aussi. Voilà, peut-être un petit peu plus tranquille, peut-être un peu plus axé sur le style de vie, les copains, la balade, etc. On a tendance un petit peu à mettre de côté la vitesse, la performance pure, la dangerosité, voilà, au profit de quelque chose d'un petit peu plus attractif pour tout un chacun. Un art de vivre, peut-être. Un art de vivre, c'est exactement ça, merci. Alors, ce que je vous propose avant d'aller un petit peu plus loin dans l'émission, c'est de découvrir cette concession Indian Motorcycle Montpellier avec Laurent qui nous a fait faire le tour du propriétaire juste avant ce plateau. Laurent, en tout cas, merci pour le café, parce que dès qu'on rentre chez toi, on est bien accueillis. Dame Carole, hein, c'est bien ça. Dame Carole nous reçoit, c'est nous recevoir. Merci pour le café. Je pense qu'on va quand même aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu me fais visiter? Eh bien, écoute, avec plaisir. Maintenant qu'on a bien dégusté cet excellent café, on peut aller faire un tour voir nos motos. Allez. Bon, alors, Laurent, la première chose qui frappe quand on arrive, c'est l'immensité de ta concession. Tu as combien de mètres carrés, là? Écoute, on a un peu plus de 1000 mètres carrés. On se partage un peu plus de 1000 mètres carrés sur l'ensemble de la concession. Et sur l'espace Indian, ici, on est à peu près à 600 mètres. On va retrouver l'espace FTR ici, un peu spécifique, dans son milieu un peu urbain. On va retrouver les touring qui sont de l'autre côté, et les baggers et la partie autre de ce côté-là. Sans compter la partie textile, accessoires, que l'on essaye d'entretenir régulièrement. Beaucoup de personnalisation ou pas sur tes motos quand tu les vends vis-à-vis de tes clients? Oui, tout à fait. C'est des Américaines. Ça fait partie de ce principe, que ce soit sur le côté look, mais également sur le côté pratique, parce que ça reste des motos extrêmement modulables. Donc oui, bien sûr, il y a une accessoirisation en fonction du besoin et de l'envie et de l'usage du client, bien sûr. Alors là, on est un petit peu dans la partie textile, on le voit ici, c'est que badgé, que le logo Indian, hein. Il n'y a rien d'autre. On n'est pas sectaire, mais quand même. Mais on est dans l'espace Indian, donc forcément, on n'est que sur du badgé Indian. Et Dame Carole qui gère cette partie textile, entre autres. Et j'allais dire, ce n'est pas que masculin, parce que là, on arrive dans le corner, on va dire, le shop féminin. Et là aussi, encore, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'on sent que c'est travaillé pour les femmes, et au moins on n'est pas toujours avec le rose, tu sais, où on fait un accessoire féminin. Bon, tiens, allez, je te mets une bande de rose et c'est pour toi, madame. Et là, on arrive sur le corner un petit peu plus généraliste, on va dire, parce que tu es obligé aussi de faire quand même d'autres marques pour répondre à d'autres demandes, j'imagine. Oui, je pense. On essaye de sélectionner des produits qui sortent de l'ordinaire. Je te coupe, mais c'est quand même des produits qui collent parfaitement à tes machines, hein, parce que quand on voit le look de ce casque ici Scorpion, quand on voit le look des jets ici avec les clés plates, ou même derrière toi, Eric, regarde un peu cette galerie de casques, c'est quand même ciblé. Mais c'est sympa. On essaye d'être cohérent par rapport à l'ambiance du magasin et par rapport à la majorité de la clientèle. Donc oui, bien sûr, on est toujours dans cet esprit de américain et custom américain. Laurent, tu parlais aussi des occasions. J'imagine que c'est aussi un point d'importance, parce que quand on voit la place et le volume que ça occupe dans ton showroom, c'est important.
Ah, c'est clairement un gros business. Bon, aujourd'hui, tu sais, 10 motos sur 7 sont vendues avec une reprise, pardon. Et donc forcément, derrière, il faut les revendre et ça contribue à l'activité. Donc oui, c'est une partie du business non négligeable. Et puis en même temps, on a cette réputation aussi d'avoir un parc d'occasion relativement important. Et on a une clientèle également pour ça. En tout cas, ta fresque murale, elle est très, très, très sympa. Eh bien, écoute, tu me fais plaisir parce qu'on a eu un peu de mal à la définir. On l'a fait avec des graphistes locaux parce que c'est vraiment du graphe, hein, c'est pas autre chose. Et c'est un groupe d'artistes de Montpellier qui m'a fait ça. Ils y ont passé du temps, de l'énergie. Et ouais, moi, j'aime bien Mister Cool. Hein, donc forcément, on l'a retrouvé sur le mur. Voilà, bon, Mister Cool, hein, Mister Steve McQueen. Alors, la cool attitude, bah, on va continuer de la voir parce qu'on va se retrouver en plateau avec nos invités. Plaisir. Voilà, donc vous avez fait un petit peu le tour du propriétaire en notre compagnie. Merci Laurent pour cette visite exhaustive. Pierre, on a vu avec la concession de Laurent, vous avez une charte spécifique pour les concessions indianes ou il y a quand même une marge de manœuvre pour les concessionnaires? Il y a une marge de manœuvre parce qu'il nous semble assez important qu'au sein de chaque concession, dans chaque ville, on trouve aussi un petit peu de l'ADN local et l'ADN des propriétaires ou des différents acteurs qui travaillent dans la concession. Pour nous, c'est déterminant. Je veux dire, l'aspect humain dans la distribution des motos Indian Motorcycle est quelque chose de très très important. Donc effectivement, on a une charte graphique que l'on doit respecter, etc. Mais après, on laisse aller assez libre cours, on partage beaucoup avec nos concessionnaires, mais c'est important voilà, d'avoir quelque chose. On n'est pas Indian Motorcycle Montpellier, ne va pas forcément ressembler à Indian Motorcycle Montlhéry ou Indian Motorcycle Nice par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont différentes, même si on sait qu'on est chez Indian. Le profil Indian, c'est quoi la clientèle? Parce que vous avez quand même, comme on le disait, une gamme qui est très large. On a à côté de nous celle-ci qui est vraiment très typée US, comme on le disait, vraiment le côté voyage au long cours. La FTR qui a un peu cassé les codes, on va dire, et puis après les scouts, etc. Il y a une variété, il y a une mixité dans la clientèle indienne? Complètement, y compris au niveau homme-femme, où on va avoir des machines qui sont très attractives pour des gabarits féminins uniquement. Je pense notamment à toute la gamme Scout ou Bobber qui attire beaucoup les femmes, mais pas que. Et la clientèle est extrêmement variée, comme disait Pierre tout à l'heure. Tous les horizons, en fait, peuvent se reconnaître de la moto, peuvent se reconnaître dans une moto de caractère spécifique avec un niveau de fabrication, de finition qui les met en haut du plateau. Donc du coup, ce que je vous propose, et puis Laurent, tu vas m'accompagner, parce que ça fait un petit moment qu'on tourne autour du sujet Indian, mais on va y aller. Donc on va essayer, tu nous as programmé une FTR et une Chief, c'est ça? Et une Chief, tout voilà. À fait. Ouais. Ce qui représente la Chief, c'est, on va dire, Pierre validera peut-être, le modèle phare, un petit peu la tête de proue de la gamme, c'est ça? C'est le modèle intermédiaire, c'est la petite dernière arrivée dans la gamme, une plateforme intermédiaire entre les scouts et les touring, qui reprend le moteur des touring, donc un 116 cubic inch. Tu vas voir, ça peut être une jolie surprise, je pense. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite. Merci pour la balade avec la Chief et la FTR. En gros, on a balayé les extrêmes, hein, on va dire. On va commencer par débriefer cette FTR 1200. La position de conduite plutôt sympa. Par contre, les jambes un peu en arrière, un peu repliées, façon jockey un petit peu. Oui, tout à fait. Mais rappelle-toi ce que disait Pierre tout à l'heure sur l'innovation de la marque et d'aller sur un segment un peu particulier. Cette moto n'existe pas dans la concurrence. Elle est déclinée en plusieurs options. C'est vrai que cette position un peu arrière sur la rallye peut surprendre quand on vient effectivement du custom. Au demeurant, les commodos, tout ça, l'agrément des commandes est plutôt sympa parce que c'est assez fluide, la boîte est souple. Ça répond bien, quoi, tu vois ce que je veux dire?
Complètement. Cette moto est complètement typée ADN américaine. C'est-à-dire que c'est un couple de camions et c'est un moteur avec une extrêmement rond. C'est-à-dire que de 0 à 4000, c'est un petit tapis volant. En revanche, dès que tu continues et que tu veux aller chercher des régimes un petit peu plus élevés, tu as quelque chose d'extrêmement réactif et d'extrêmement joueur. Alors, tu m'avais dit avant de partir que la ligne d'échappement n'était pas d'origine, mais finalement, elle a une sonorité plutôt sympa. Ce n'est pas désagréable, ce n'est pas omniprésent. Par contre, effectivement, quand tu la chatouilles un peu, là aussi, c'est pareil, ça respire mieux. Ouais, quand le moteur est en charge, on sent qu'elle exprime un petit peu mieux ses vocalises. Après, cette configuration rallye avec les pneus un petit peu plus sculptés, ça engage un petit peu dans les virages, mais ce n'est pas bien catastrophique. Et puis après, moi, juste le truc un petit peu avant de sortir en ville, ça chauffe un tout petit peu, hein. Vaut mieux rouler. Hein. Catalyseur monte les gaz à 1200 degrés à peu près pour les cramer. Ouais. Faut bien que la chaleur s'évacue, je sais. Mais... Alors à l'inverse, Laurent, sur la Chief, les jambes en avant, là on est bien ventilé. C'est une position évidemment totalement différente, hein. Ouais. Les bras tendus, les jambes en avant. C'est une position qui demande un petit peu d'adaptation parce que c'est pas tout à fait naturel. Mais sinon, paradoxalement, moi je l'ai trouvé plus confortable que la FTR. Ah mais elle l'est, bien sûr, elle l'est, effectivement, c'est le milieu de gamme entre la Scoot et les Touring et les, ce qu'on appelle dans notre jargon les Heavyweight avec le même moteur, donc ça reste effectivement un cadre acier très bien suspendu. Après, la pédale de frein, il faut avec le pied, il faut aller la chercher. Mais ça encore, je pense que c'est plus dans l'habitude, en fait. Il faut se familiariser avec cette... C'est une moto qui demande un peu plus d'adaptation que la FTR. La FTR, tu te retrouves sur une position dominante, tu vois. Alors que là, t'es un peu plus, tu t'inscris dans la moto et c'est ce qui te demande un peu plus de travail. Et par contre, celle monoplace, mais celle hyper confortable. Moi, j'ai trouvé que c'est quand même très sympa. Et puis, donc, tu parlais d'accessoires. J'imagine qu'évidemment, derrière, on peut choisir, non pas à foison, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. Tiens, regarde, Eric, viens voir, parce qu'on parlait du compteur. Là, ça y est, on l'a réallumé, la moto. Et regarde, c'est quand même hyper sympa. Après, tu as les différents modes, tu vois. Donc, et puis ensuite, on peut jouer sur, je ne sais plus, sur d'autres choses. Vas-y. Il est même tactile. Tu peux le faire à la main. Ça marche avec les gants. Tu peux aller chercher la cartographie que tu souhaites en mode standard, en mode tourisme ou en mode sport. En mode sport, mieux vaut avoir les bras bien accrochés. Et effectivement, après, tu déclines sur le GPS les différentes possibilités et toutes les options possibles sur la moto. Pardon, je suis un peu à l'envers, je vois pas bien. Mais la carte, merci. Tu as un GPS totalement intégré. Transmission par courroie, pour le souligner, parce que c'est insensible, mais en tout cas pour l'entretien et l'usage, c'est quand même assez sympa. Une dernière chose, Laurent, tarif. Écoute, ça commence à 17 000, 16 990 et suivant les modèles, effectivement, on monte jusqu'à un peu plus de 21 000 euros sur la Super Chief Limited, dont je te parlais tout à l'heure. Et tu as un modèle intermédiaire, donc tu as une gamme qui s'échelonne comme ça. Et pour la FTR, du coup, Laurent, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors écoute, sur ce modèle-là, sur la Rally, on commence à 14 990 et évidemment la gamme s'étend en fonction des options qu'on peut avoir, puisqu'on monte jusqu'à la S Replica avec les suspensions all-ins réglables, etc., le TFT, à des sommes plus importantes pour aller jusqu'à 19 000. Et la gamme s'échelonne en fonction de ses niveaux d'équipement. Très bien, écoute, merci Laurent. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de retourner en plateau avec nos invités. Voilà donc ces essais et ces ressentis. En tout cas, encore une fois, merci Laurent. Alors Pierre, on a justement, au travers de cet essai, découvert la FTR. Une FTR, on l'a dit tout à l'heure, qui a un petit peu marqué une rupture dans ce qu'on avait l'habitude de voir en produits américains. Mm-hmm. Vos concurrents, eux, sont partis encore une fois, je le disais, sur les chemins de traverse avec la Pan America. Est-ce qu'il faut maintenant aller dans ce genre de segment pour étendre sa clientèle? Soit il faut créer un nouveau segment,
Soit effectivement, il faut peut-être rentrer dans des segments qui sont les plus alimentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que le trail adventure est le plus gros segment. Maintenant, c'est aussi là où il y a les plus grosses têtes de pont, hein, où BMW, par exemple, a une hyper présence. Après, le choix qu'Indian Motorcycle a fait, justement, au travers d'un produit comme la FTR, qui est une gamme qui est appelée à s'étoffer, cette nouvelle plateforme, en fait, représente une vraie nouveauté, quelque chose qui va être effectivement entre un produit américain, avec ce que ça peut comprendre, et puis également un produit européen aussi. Donc voilà, on a fait un choix peut-être un petit peu différent d'essayer de créer notre propre bulle et d'avancer au sein de cette bulle. Voilà un peu les stratégies. Nous sommes des challengers sur le marché. Notre but est un petit peu de bousculer, pas forcément de rentrer immédiatement dans des segments hyper occupés. Allez, on prend maintenant la direction de l'atelier de la concession Indian Motorcycle à Montpellier, où Max, qui est le responsable magasin. Voilà, responsable magasin, nous attend pour nous donner quelques conseils d'entretien et d'utilisation de sa Roadmaster. Bonjour Max. Eric, bonjour. Alors, on est devant cette Roadmaster et on va parler d'un point important, c'est-à-dire le réglage des suspensions, parce que, comme dans les pneus, dans ces suspensions, il y a de l'air et donc il faut y prêter une attention certaine. C'est très important pour le comportement de la moto, que le ressenti qu'on va pouvoir avoir avec elle. À la livraison d'une Indian, celle-ci vous donne une pompe Fox qui servira justement à venir régler la suspension Fox d'origine de cette moto. D'accord. Donc c'est une pompe à main en fait. Une aiguille, un manomètre qui va permettre justement d'avoir la bonne pression. Il y a pour moi un minimum, quelque chose d'avoir toujours en pression sur cet amortisseur. Et il y a l'utilisation duo ou en voyage, en fonction de la charge qu'on va apporter à la moto. Il est important de peaufiner ce réglage-là. Alors ça se passe comment? Alors, il va falloir retirer le cache qu'on a sous la selle ici. D'accord. Et sous ce cache, vous allez retrouver une valve, comme une valve de roue. Par contre, très important, ne se servir que de la pompe qui vous est fournie. Oui, d'accord. Tout simplement, cette pompe, on vient la visser sur cette valve. Et il va être important de respecter les PSI. D'accord. Donc, la partie rouge de cette pompe. OK. Pour un usage solo et occasionnellement du duo, sans vouloir toucher le réglage, mettre cette pompe à 75 de pression. Et en fonction de la charge, vous pouvez très bien l'adapter et la monter jusqu'à au moins 130 ou 140 PSI. Si vous ne vous y connaissez pas trop, vous pouvez très bien solliciter votre concessionnaire ou utiliser le tableau que vous allez retrouver. Comme sur les voitures, entre guillemets, où on a les recommandations de pression. Donc ça, c'est vraiment comme les pneumatiques, où on a un contrôle régulier. Tout à fait. D'accord. OK. Bon, après, donc, il suffit juste de pomper, hein, comme un shadow, on va dire. Tout simplement. Ça vient envoyer de la pression à l'intérieur de la suspension. D'accord. Voilà, et c'est vous qui choisissez. Ok, et évidemment, plus on gonfle et plus tout à fait, ça va influencer. Va être un petit peu plus dur, non, c'est ça? Un petit peu plus dur, ça va aussi rehausser légèrement la moto. D'accord. Donc c'est assez agréable justement parce qu'on a un meilleur comportement dans les virages de celle-ci. Et surtout éviter à sa passagère de ressentir quelque chose de trop ferme aussi si on venait à manquer de pression. Donc il y a deux solutions, soit on veut se fâcher et on touche à rien, soit on veut être agréable et on règle. Tout à fait. D'accord, ok. Bon, on va poser le cache. Et puis, il y avait un autre point sur lequel on voulait s'arrêter aussi, parce que chez Indian, on a quasiment tout prévu. C'est que comme on va rentrer dans la période où il fait un petit peu moins beau, tout on va fait. Peut-être rouler un petit peu moins. C'est souvent le cas. Il y a une petite touche magique, on va dire. C'est un peu comme une prise allume-cigare, on va dire. Mais en dessous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Même principe, un accès rapide. Aujourd'hui, avec une norme SAE. Donc aujourd'hui, la plupart des chargeurs maintiennent charge sans équiper de cette prise-là. Tout simplement, dès que vous rentrez dans cette période hivernale où vous allez moins utiliser votre moto, il est recommandé pour son propre entretien et puis surtout au moment de vouloir l'utiliser, être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, un certain énervement, vous avez tout simplement cette possibilité-là de venir directement brancher. Et ça, on laisse combien de temps? Il y a des recommandations? Comment ça se passe? Sur la durée, on n'utilise pas la moto, qu'elle soit de 2, 3 mois ou plus. Les systèmes aujourd'hui de maintien de charge sont intelligents. Ils sont capables de détecter. C'est eux qui régulent. Exactement. Automatiquement, ça va maintenir la batterie en charge, mais aussi l'entretenir, ce qui va améliorer sa durée de vie. D'accord. Très important. Voilà, donc vous l'avez compris, pour hiverner, ça se passe ici. Pour régler, ça se passe un peu plus bas. Merci Max pour ces explications. Avec plaisir, Eric. Quant à nous, on poursuit l'émission au plateau.
On commence bien évidemment cette séquence top-flop par le Maxi Top. C'est évidemment le titre de champion du monde de Fabio Quartararo, puisque ce week-end à Misano, il a remporté ce premier titre, ce qui n'avait jamais été fait auparavant par un pilote français. J'imagine que même si Indian n'est pas impliqué en MotoGP, etc., c'est forcément du bonus pour la moto en France. Complètement. C'est un vrai bonus pour donner une excellente image à la moto. En plus, avec un personnage qui est charmant, qui est un excellent ambassadeur. Donc oui, c'est une grande, grande nouvelle, y compris pour nous. Ça parle un peu, justement, moto, même de tout ça chez toi, Laurent? Bien sûr, tous les 15 jours devant ma télévision et à le supporter, parce que d'abord, c'est une très belle aventure française et c'est la première en GP. Donc oui, non, on ne peut pas, même si je suis un peu rangé maintenant des bracelets, des guidons bracelets. Mais oui, on précise, les guidons bracelets, pas les bracelets en inox. Oui, non, ce n'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. Ça, peut-être après les voitures radar, on ne sait pas. Okay. Mais non, bien sûr que ça parle et on est très fiers d'avoir cet ambassadeur de la moto et ce cocorico qui a été poussé en MotoGP. Voilà, donc ce cocorico, comme le dit Laurent, encore une fois, bravo, énormément bravo à Fabio Quartararo. Et on espère que Johann Zarco, lui aussi, va remonter dans la hiérarchie d'ici aux deux derniers Grands Prix. Deuxième top, et on reste un peu dans la compétition, même beaucoup, avec le retour du circuit de Spa-Francorchamps au calendrier du championnat du monde d'endurance moto l'année prochaine, en 2022. On va rester dans l'endurance quelques instants parce que pour célébrer le titre de champion du monde d'endurance du team Suzuki Yoshimura Motul, eh bien Suzuki France a décidé de commercialiser un kit déco commémoratif. Donc ce kit qui s'appliquera juste au Suzuki GSX S1000 et 950. Attention, j'ai pas dit R, mais GSX S1000 et 950. Donc il y aura un kit déco, un support de plaque spécifique, un seau de vent et des protections latérales. Donc vous le verrez, vous le voyez d'ailleurs sur ces images, un kit vraiment qui vous permet de vous faire plaisir pour pas trop cher, 850 € à peu près le kit. On va passer au flop, alors avec un flop un petit peu cocorico dans la mesure où la guerre continue, on va dire, entre Piaggio et Peugeot, entre MP3 et Metropolis. Piaggio qui avait attaqué Peugeot qui s'est défendu sur les 5 brevets qui ont été déposés, 3 ont été validés pour Peugeot. Le quatrième donne raison à Piaggio, mais Peugeot a fait appel, c'est une histoire sans fin puisque ça dure depuis 2015. C'est bon pour l'image du secteur ou pas, ce genre d'affaires? Je ne vous demande pas de prendre position, hein, bien non, évidemment, du mais tout. C'est... Bon, déjà, je pense que... En plus, c'est deux technologies visiblement assez différentes. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans les deux roues, en fait, alors là, même si en l'occurrence, c'est trois roues, oui. Mais il y a quand même une scission assez importante entre ce qu'on peut appeler la mobilité urbaine et la moto. Et c'est vrai que c'est deux mondes qui se côtoient peu parce que là, encore une fois, la charge émotionnelle n'est pas forcément la même. On a plutôt une charge utilitaire et de l'autre côté, une charge émotionnelle. Donc, c'est vrai. Après, je peux comprendre les enjeux par rapport à les enjeux industriels parce que c'est des gros marchés. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, les avocats sont affûtés là-dedans. Et c'est vrai qu'on en est un peu loin. Ouais. Autre flop, c'est l'ECMA, le salon de Milan, puisqu'on a appris il y a quelques jours que Ducati ne serait pas présent. Alors, je sais que Indian ne sera pas présent non plus, Husqvarna, KTM, BMW, Denez également, équipementier de marque et reconnu au niveau de l'Italie. Ça fait beaucoup, c'est par rapport aux conditions sanitaires, par rapport au contexte actuel, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il explique pour moi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il explique pour nous, c'est tout simple, parce qu'en fait, c'est ce qui nous concerne, mais comme on le disait tout à l'heure, l'année 2022, on n'a pas une certitude absolue sur ce que l'on va pouvoir produire et au bout du compte, ce que l'on va pouvoir vendre. Donc on préfère en fait réorienter nos budgets sur des choses très concrètes qui vont aller sur des retombées directes en fait de toutes les actions qu'on va mener. C'est-à-dire voilà, nous on a une action roadshow où on tourne chez les concessionnaires, on rencontre des nouveaux clients, on fait des ventes directes, etc. On va aller plus vers ce genre en fait de dépenses entre guillemets que sur des salons institutionnels qui coûtent des centaines de milliers d'euros et qui au bout du compte sont peut-être
il est difficile d'en trouver la rentabilité. Et puis le dernier flop, eh bien, on va vous le donner comme ça, hein. J'ai repris ma petite fiche, c'est que les voitures radar privées arrivent. Et il nous manquait l'Île-de-France, l'Auvergne, le Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie. Eh bien, bienvenue au club, puisque à partir de 2022, vous aurez aussi vos voitures radar personnalisées. Voilà, merci beaucoup. On peut avoir les numéros d'immatriculation, non? Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Voilà, on conclut cette séquence top-flop avec le sourire, mais on espère évidemment qu'on pourra les avoir, ces immatriculations. En tout cas, Pierre, merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Et puis, nous, Laurent, on reste ensemble parce que dans quelques instants, on va accueillir, est-ce qu'on peut dire, deux amis, c'est plus des clients maintenant, mais on va parler d'aventure. Oui, absolument. Quand on a émis l'idée de cette émission, j'ai tout de suite pensé à eux parce qu'ils ont des histoires à raconter dans des domaines opposés, mais je pense que c'est des gens intéressants qui, effectivement, sont plus que des clients de la concession, bien entendu. Voilà, donc maintenant, place à l'aventure. Voilà, on vous parlait d'aventure, et bien cette fois c'est fait, c'est Gérard qui nous a rejoint. Bonjour Gérard. Bonjour. Laurent, tu nous présentes rapidement Gérard, parce qu'il y a des choses à dire. Écoute, avec plaisir, Gérard est un vieux client, et je pense qu'on peut employer le terme d'ami aussi, oui. de la concession et ami... Et surtout un grand baroudeur et qui a amené ses Indians aux quatre coins du monde. Mais je vais te laisser voir avec lui pour qu'il nous raconte ça. Indian, moi, dans mon imaginaire, c'était la moto. Je m'explique. Le design de cette moto. Voilà. Et j'ai toujours voulu avoir ce type de moto-là. Préparer ce voyage, ça t'a pris combien de temps et ce voyage t'a pris combien de temps? Ça, c'est un voyage qu'on a fait en, je crois que c'était presque un mois. C'est-à-dire qu'on est, nous, on est allé en avion jusqu'à Buenos Aires. Les motos, elles sont parties un petit peu en avance en bateau. Voilà, on a récupéré nos motos à Buenos Aires. Et après, de Buenos Aires, donc on est allé à Ushuaia et là, bon... Sur ce voyage, s'il y avait des points marquants à ressortir, la question simple, il y a eu des problèmes, c'est quoi le quotidien, à quoi on est confronté quand on fait ce genre de voyage, qui plus est en Indian, s'il doit y avoir une complication avec les Indians. Oui, oui. Oh, bah, non, de complications avec les Indians, il n'y en a pas. Hein. On est pratiquement dans un fauteuil d'un bout à l'autre. Hein. Et non, ça, il n'y a aucun souci. Bon, les problèmes... qu'on a quand on fait un voyage en Patagonie, hein, comme c'était le cas, en fait, c'est des problèmes climatiques, c'est le vent, quoi. Hein. C'est vrai, quand on est en terre de feu, c'est-à-dire tout en bas, là, on se prend un vent permanent pendant trois jours et on est... On tangue. on est penché comme ça, la joue. Alors, on parlait donc à l'inverse, donc Ushuaia, donc ouais. Cap Nord. Oui. Le Cap Nord, c'était aussi avec ta Chief ou c'était. Non, c'est avec une moto. Avec une Chieftain. Voilà. En fait, le Cap Nord, je l'ai fait deux fois en moto et la première fois, je l'ai fait avec mon camping-car. Quoi. Voilà. D'accord. Alors, je l'ai fait avec mon camping-car l'hiver. Je suis parti un 1er janvier. Alors, pour aller là-haut en hiver, les jours sont très courts. Oui. Donc, j'ai pratiquement rien vu. Et l'été suivant, je me suis dit, j'aimerais bien quand même voir à quoi ça ressemble. Et j'y suis allé avec la moto. Quoi. Kilométrage, à peu près pareil, 3500 ou un peu plus? Non, c'est beaucoup. Ah oui, parce que là, tu es parti, directement d'ici, en fait. Là, je suis parti d'ici. D'accord, oui, et pardon. Je suis monté au Cap Nord. Ouais, donc et ça, c'est 12 000 km. Oui, c'est ça, j'allais dire 15 000. Voilà. Ouais, 12 000 km, ouais. Là. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Alors là, bon, c'est pareil, c'est un autre bout du monde, hein, si on veut, hein, c'est pareil. Hein. Et bon, là, les paysages extraordinaires. Alors justement, ce contraste entre le nord et le sud, est-ce qu'il y a quand même des similitudes dans l'approche, dans la façon de voyager? Parce que c'est quand même deux contrées très contrastées, d'un côté Ushuaia, le Cap Nord. C'est-à-dire que... Quand j'ai fait Ushuaia, c'était quand même au sein d'une organisation, d'accord?
Et là, quand j'ai fait le Cap Nord, je l'ai fait moi. Oui. Hein, voilà. Je l'ai fait deux fois. Et, bon, je l'ai fait avec un copain. J'ai amené des copains, enfin un copain avec moi à chaque fois. Et on a fait le Cap Nord à deux, quoi. Mmh. Donc, c'est des organisations qui sont bien sûr complètement différentes. Hein. Quand on organise pour soi-même, bon, il faut prévoir tout, enfin, les bagages, le chaud, le froid, le machin. Et puis, il faut tout mettre sur la moto. Ouais, c'est ça le vrai challenge. C'est-à-dire qu'il faut en amener à la fois, il faut amener ce qu'il faut, mais être vraiment au minimum. Ouais. Et presque peser à chaque fois ce qu'on ouais. prend, quoi. Parce qu'autrement... C'est ça la vraie difficulté, en fait, du voyage. C'est ça la difficulté, ouais. Alors, donc, autrement, comme moi, je fais mes propres roadbooks, ça, pour moi, ça n'a pas été vraiment une... Alors justement, on a dit Terre de Feu, Ushuaïa, le cercle polaire, ou le pôle Cap Nord, voilà, c'est arrivé. Ça. Ouais. 2022, on va pouvoir revoyager. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Est-ce que ça te titille dans les mains? Qu'on va faire, on va organiser des voyages au Maroc et donc au Cap Nord. D'accord. Voilà. En association avec ta concession, Laurent, comment ça va absolument. On va participer directement pour assurer la maintenance et dans l'organisation. Et effectivement, Jean-Claude Perroulet de Roadtrip Factory est un ancien de l'organisation, enfin un ancien de l'organisation, okay. mais surtout un grand professionnel de l'organisation. Mm-hmm. Le Maroc, je crois qu'il l'a fait une cinquantaine de fois avec d'autres marques. Et l'idée nous est venue de faire un voyage spécifique Indian. Et ce voyage qui était déjà programmé pour 2020, crise sanitaire oblige, a été décalé et est reprogrammé maintenant pour le mois de mars-avril 21. Donc ça y est, les dates sont... 22, on est en 21, 22, alors ouais, ça 22, va vite maintenant. Je veux pas vieillir. En mars-avril 22, effectivement, les dates sont quasi définitives. Il y a juste à attendre les horaires de bateau pour le retour. Vraiment, un très très beau périple. Combien de motos on va essayer de limiter à une trentaine de motos. Au-delà... Oui, c'est moins convivial. Ça va être deux semaines complètes en full organisation, c'est-à-dire que même le carburant est transporté. Les participants n'auront que du plaisir à prendre. Le reste, on s'en occupe. Donc on rappelle, mars-avril, c'est absolument. Ça absolument. Oui. Toutes les infos sur le site de notre organisateur, puisque nous, on est des co-organisateurs, mais de Roadtrip Factory sur tout bon support informatique donnera l'adresse. Ouais. D'accord. Et le lien, ce sera Voie Royale. Voie Royale. Voilà, ouais. Et ce sera le nom de ce raid. Tout un programme. On va l'appeler Voie Royale. Très extraordinaire. Bien. Bon, en tout cas, merci Gérard d'être venu nous vendre ce rêve, justement. Mm-hmm. Alors, pour voyager et pour faire des raids, il y a un accessoire qui est incontournable, c'est le casque. Et bien, c'est justement de casque que l'on va parler avec notre partenaire et on va parler de son entretien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une gamme d'accessoires que vous allez pouvoir trouver sur le site www.chouet-myshop.com. Commençons tout d'abord par les écrans. Alors, nous avons toute une gamme de teintes disponibles pour les casques Chouet. Sachez simplement que seuls deux écrans sont homologués pour la route, l'écran transparent et l'écran fumé clair. Le reste des teintes est exclusivement réservé à la piste. Voyons tout d'abord les écrans teintés dans la masse. Nous avons l'écran transparent d'origine, l'écran fumé clair et l'écran fumé foncé. Et pour compléter notre gamme d'écran teinté, nous avons la gamme d'iridium avec le bleu, le doré, l'argenté et le fire orange qui est l'effet pétrole. Nous avons ensuite une teinte appelée HD Yellow qui va augmenter les contrastes. C'est une teinte idéale par temps nuageux. Et sachez que c'est une teinte qui est également disponible pour les écrans internes. Et nous avons enfin l'écran photochromique, qui est traité par Transition, le même fabricant que pour les verres de lunettes. Vous voyez cet écran qui est actuellement transparent et qui, au contact des UV, par un traitement de molécules, va se teinter
jusqu'à devenir complètement noir. Voyons maintenant quelques accessoires spécifiques à notre casque modulable, le Neotech 2. Les joues du Neotech 2 sont équipées d'origine par une collerette de protection en simili-cuir. Si toutefois vous avez besoin de plus d'air à l'intérieur du casque, des joues sont disponibles avec cette collerette en matériaux micro-perforés pour l'aération ou sans cette collerette pour avoir un maximum d'air circulant dans le casque. Le deuxième accessoire que vous pouvez monter pour accroître la circulation d'air dans votre Neotech 2 est une mentonnière aérée qui remplacera celle en simili-cuir d'origine. Et voilà votre Neotech 2 prêt pour l'été. Passons maintenant aux intérieurs. Si votre casque est un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit, sachez qu'il existe différentes tailles d'intérieur. Une taille plus fine pour les joues en 31 mm ou plus épaisse en 39 mm. Et au niveau de la coiffe, une taille plus fine en 5 mm et plus épaisse en 13 mm. Ceci vous fait passer à peu près à la taille au-dessus ou à la taille en dessous, simplement en changeant votre intérieur. Parlons maintenant des accessoires disponibles pour notre modèle Racing, le X-Spirit 3. Tout d'abord la coiffe. Du X-Spirit 3 est la seule qui est détachable en 5 parties différentes. Chacune de ces parties seront disponibles en différentes épaisseurs. Si donc vous avez un point de compression ou une partie un petit peu trop lâche, n'hésitez pas à la démonter et acheter chez votre revendeur ou sur le www.chouet-myshop.com pour acheter la bonne épaisseur. Parlons maintenant de ce qu'on appelle le Air Mask. Cet accessoire permet par temps de pluie d'éviter complètement la buée. Il est fixé sur la mâchoire du casque à l'aide d'un velcro et est ajustable en hauteur. Vous pouvez également équiper votre casque de tear-off. Ce sont ces films jetables utilisés en compétition qui permettent de garder votre écran clair. Leur montage est très simple. Ils sont équipés d'une protection sur leurs deux faces. Retirez donc la protection intérieure. Fixez le tear-off d'un côté. Plaquez-le sur l'écran jusqu'à l'autre attache. Et ajustez-le ensuite grâce aux axes excentriques. Et enfin, dernier accessoire issu de la compétition, le sweatpad, que vous pouvez coller au niveau du front pour absorber la transpiration lors de séances sportives. Et pour celles et ceux qui veulent protéger encore plus leur casque Chouet, je vous présente la toute nouvelle housse de transport. Et voilà! Retrouvez tous ces accessoires et pièces détachées sur le site www.chouet-myshop.com. Je vous souhaite une bonne route en Chouet et vous dis à très bientôt. Voilà, nous sommes de retour. Alors Laurent, on avait parlé d'aventure. On va rester dans l'aventure, mais peut-être une aventure plus personnelle, on va dire, puisqu'on accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, vous faites de la customisation, hein, on va dire ça. C'est le terme qu'on peut employer, c'est ça ? Customisation. Alors customisation, comme Laurent le dit, sur tout support. Alors donc là, on a votre blouson, c'est le vôtre ? C'est un de mes blousons, oui. Voilà, donc ça c'est vous qui avez réalisé cette déco. Oui. Et vous tenez entre vos mains le casque que là aussi vous avez réalisé. Que j'ai réalisé. Je réalise au pinceau. Ouais. Voilà. Pas d'aérographe. Pas d'aérographe. Plus d'aérographe depuis quelques temps. D'accord. Mais oui, je le réalise au pinceau et voilà, je fais des pièces uniques forcément. Et alors, voilà. Vous êtes, la première question qu'on a oublié de vous poser quand même, c'est, vous êtes motarde. Je suis motarde. Vous roulez en Indiane. Je roule en Indiane. Un artiste qui a très bon goût. Voilà. Ouais. Alors, comment on arrive à ce métier, peut-être ? Je ne sais pas comment on peut dire. Ou est-ce que c'est une passion qui est devenue votre métier ? Expliquez-nous un petit peu la genèse. Déjà, je suis autodidacte. Je sais que c'est quelques mots qui ne passent pas forcément, mais je suis autodidacte. J'ai toujours peint, dessiné. Et étant dans le monde de la moto, je me suis dit que ce serait sympa de lier les deux, en fait. J'ai plein d'amis motards, je suis dans ce monde-là et je sais que c'est une passion que j'ai mis en avant et j'en ai fait mon métier. Ça fait combien de temps que vous réalisez ça ? J'ai laissé mon travail initial, on va dire, et pour pouvoir monter mon entreprise il y a à peu près 4 ans. D'accord. Voilà. Et la relation c'est, avec Laurent, c'est d'abord une relation, je dirais, motard-client qui vient chercher motard. Sa moto et oui. Après... Oui. Tout s'enchaîne, oui, oui, oui. Je les ai trouvés tous sympas. J'ai trouvé d'ailleurs la concession très accueillante, hein, mm-hmm. déjà à la base. C'était important pour moi, pour être accueillie
de façon très cool, on peut dire. Hein. Mmh. Et puis voilà, j'ai laissé une marque de moto que je ne citerai pas pour passer sur Indian. Et honnêtement, j'en suis tombée amoureuse, quoi, hein. On peut dire ça. Vous roulez avec quoi au quotidien? Au quotidien, en moto, en voiture. En moto, ben là, je roule sur un 1200 Scout. D'accord. Voilà. Il faut compter combien de temps, bah justement, entre ces deux exemples, entre un blouson comme ça et un casque. J'imagine qu'évidemment, sur le casque, il y a en beaucoup temps. Plus de travail. Ouais, en temps. Ouais, un casque plein comme celui-ci, il y a environ à peu près 10 heures de travail. Et un blouson, ça va beaucoup plus vite? Beaucoup plus vite. Ouais. Le plus gros challenge que vous avez eu pour l'instant à relever, c'est une moto, qu'est-ce que c'est? Au niveau custom, ouais. Sans compter les blousons, les casques, une boîte de nuit. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, tant qu'à faire. Oui, une boîte D'accord. de nuit. Ouais. Et je fais aussi, alors c'est pas la customisation, mais je fais aussi de la peinture corporelle. Donc je suis dans le milieu artistique, maquillage artistique, donc D'accord. si vous voulez, c'est quand même assez diversifié. Oui. Voilà. Bon, bah, très bien. Mais en tout cas, merci. Merci à merci vous. Merci beaucoup hein. de votre intervention, Sylvie. Laurent, on arrive au terme de l'émission. En tout cas, on va te remercier chaleureusement de ton accueil. J'espère que les téléspectateurs ont vécu avec nous toute la passion qui transpire à travers tes propos, à travers tes invités également. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Sans Concession. D'ici là, portez-vous bien.